Ok. Recevez Cao Cao, le dictateur. Lève la main tout le monde. Hafat. Je ne peux expliquer ce gros succès, sauf que c'est une divinité, c'est une puissance de Dieu. Voilà, c'est pas moi qui agis, c'est Dieu. Encore dedans, est-ce que t'es encore dedans? Sincèrement non. Je n'y attendais pas. Mais bon, Dieu sait pourquoi se sont fait tant de bruit. Le message que je lance à mes soi-disant adversaires, puisque j'en vois pas de toute façon, c'est qu'il ne faut pas qu'ils prennent le nom de Dieu pour s'amuser. Soit tu crois vraiment en lui ou soit tu ne crois pas en lui. Parce que moi, je ne sais pas où ça quitte mon inspiration. Je ne vais pas acheter quelque part, j'adore pas de fétiche ou je ne sais pas de quoi. Tu comprends un peu? Donc, ça quitte quelque part. C'est l'inspiration, c'est une création. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis dans le vrai. C'est pourquoi tout me réussit. Et au moment où on pense que je vais tomber, ben, c'est bloc. Voilà. À ceux qui me comparent à ceux de la nouvelle génération, vraiment c'est très con et très déplacé de votre part, parce que avant de le faire, il faut d'abord que cette nouvelle génération ait remporté les prix que j'ai remportés, ait fait 1 million de vues en moins de 24 heures. Ah voilà, donc c'est très con de penser ça. Je sais pas ce que je suis. Je suis mi-ange, mi-démon. Je suis Ange Didier Daishikan. Alors le Daishikan sans la Chine, ça ne donne rien du tout. Je suis l'esclave de mes fans. Voilà. Mais le maître de mes choix et de mes décisions. Et j'appartiens à quelqu'un. Voilà. Celui qui m'a créé. Donc, quand je dis que je suis un peu comme le mouton des fans, c'est parce que je suis à leur disposition. Je suis prêt pour eux. Ils sont prêts pour moi. Donc du coup, j'ai machine avec moi, que je contrôle, que je dirige. Mais bien sûr, je veux avoir ce disque d'or. Je veux avoir plus. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Un album, ça dure 1 an. Donc, on n'est même pas encore au 6e mois, hein. Et déjà, les CD continuent de manquer dans Abidjan et de partout, plein de pays se plaignent, parce que dedans, il y a un feat avec Kims, Niska, Nazar, Fali, donc Dadju. Pourquoi les gens vont pas aller acheter cet album juste pour découvrir? Là, on a sorti les Moto parce qu'il fallait vraiment montrer la suprématie dans le coupé décalé, ce qui a été fait. Donc, je peux venir, Jafoul, partir, revenir me reposer. Je fais ce que je veux en fait. J'ai dit, ils n'ont pas cru, mais voilà. Dieu leur montre que c'est pas les vues. Et les vues qu'ils ont acquis, pas naturellement, mais je vais pas dire spirituellement aussi. Je vais dire scientifiquement, réseaux sociaux, talement parlant. Voilà, ils ont des vues d'Internet. Moi, j'ai des vues naturelles qui sont, c'est naturel. Et puis, c'est parti sur les réseaux sociaux. Montrer ce qu'on appelle des vues. On va voir jusqu'où ça va mener ces vues. Entre Dieu et les réseaux sociaux, on verra. Y'a raison, peur, champi, ça trame. Il s'appelle Champi Kilo. C'est qui? C'est qui, Caris? C'est qui? Je sais pas c'est qui. Je le connais, j'écoutais sa musique quand j'étais petit, je vous ai dit. Donc après, Booba, c'est pas mon ami, je le connais pas personnellement. J'écoutais sa musique, j'étais fan de lui. Voilà, et je kiffe toujours ses sons. Voilà,
Sauf que voilà, il a sa carrière, j'ai ma carrière, il a son bout de chemin, j'ai mon bout de chemin. L'autre, je ne sais pas c'est qui. Rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Bah. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le Yoruba. Quand j'ai tracé ton chemin, personne ne peut le détruire. Aujourd'hui, mon étoile est brille. Vous voulez ma mort? Moi, je suis pas là pour dire mes projets. Ok? Donc, c'est une bonne idée de le faire. Au moment opportun, si Dieu dit que je dois faire ça, ben je le ferai. Pour l'instant, je suis concentré sur ma musique. J'ai des messages à véhiculer. J'ai des gens à faire danser. J'ai des gens à apporter de la joie. C'est le plus important. BBM. Les autres artistes, leur vie ne m'intéresse pas. Voilà. Chacun gère sa vie. Moi, je gère ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Vraiment. Voilà. Je pense qu'à moi et ceux qui m'aiment, j'aime aussi. Alors mes affaires personnelles sont personnelles. C'est pourquoi ça s'appelle personnel. J'aime les grosses voitures parce que, étant petit, mon père me mettait tout le temps dans des voitures sportives et tout, et il accélérait et tout, donc ça m'a plu. J'ai toujours aimé la vitesse. C'est de là que vient cet amour envers les jouets de puissance. J'ai pas eu peur de naître. Pourquoi je dois avoir peur de mourir? Alors, sur le chéquier africain, je ne m'auto-proclame jamais numéro 1. Voilà, déjà, je ne sais pas si vous avez suivi, une chaîne très réputée et très connue en Europe qui m'a désigné en tant que troisième artiste mondialement connu après Drogba, Alpha Blondy. Donc, c'est-à-dire que Alpha Blondy, Drogba et après Arafat. Voilà, tout ça, ça répond à ta question. Oui, DJ Arafat connaît très bien la chaîne BBM. C'est une chaîne qui m'a toujours soutenu. Même quand il n'y avait pas d'autres chaînes qui me soutiennent aujourd'hui, ils étaient toujours là avant. Voilà, donc j'ai de très bons rapports avec cette chaîne et j'aime leur travail. Parce qu'il tape bien. Je pense pouvoir faire un show privé pour DBM TV, mais parce que c'est les deux mains qui se lavent, et pourquoi je vais pas aller le faire? Voilà. Oui, je suis même prêt à faire un show gratuitement pour eux. Voilà, tout va dépendre des conditions dans lesquelles ils vont me mettre. C'est tout. Ben pour ce qui est arrivé à DBM, être victime d'une cabale, ben moi aussi ça m'a raté. Hein. Il n'y a pas longtemps là. Il fallait que je montre que j'en avais ras-le-bol. Et puis bon, voilà, c'est arrivé. C'est pas la fin du monde. Hein. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, quand tu me dis, ou quand tu me fais un truc qui ne me plaît pas, je vais te le dire. Je ne vais pas avoir peur de toi pour te le dire. T'es pas Dieu. Le message à la jeunesse du monde, même pas africaine, c'est de croire en Dieu. En lui, c'est, et avec lui, ils auront toute la gloire, la célébrité, l'argent, et voilà. Ok? BBM.